Je suis Virginie Bienvenue, j'ai 36 ans et je suis éleveuse de chèvres à Villevec dans le Maine-et-Loire. Pour moi, c'est une reconversion. Donc avant, j'ai fait des études d'anglais. Donc j'ai fait un peu d'enseignement du français à l'étranger. J'ai trouvé que c'était pas ma voie. Donc ma sœur m'a proposé de m'installer avec elle en élevage caprin. J'ai commencé par un premier stage par Pôle emploi pendant un mois pour voir si c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc ça a confirmé que ça me plaisait bien. Donc j'ai fait un bac pro agricole pour me former correctement. Et on a commencé à chercher une ferme. On a cherché l'exploitation pendant presque 2 ans. On ne trouvait pas trop ce qui nous convenait, c'était très très grand. Et puis par hasard, par des relations familiales, on a croisé, au hasard d'une discussion, on a croisé une connaissance de la famille qui partait à la retraite et qui s'arrêtait et qui était en brebis laitière et l'exploitation convenait. On a choisi le Crédit Agricole parce qu'on trouvait qu'il comprenait bien notre projet. On avait eu un premier projet sur une autre ferme qui était un peu surdimensionnée ou financièrement c'était un peu caduque. Il y avait d'autres banques qui nous avaient suivis, pas le Crédit Agricole à l'époque. Ils nous avaient dit clairement que pour eux c'était financièrement pas viable. Et on arrivait à la même conclusion aussi. Des fois d'entendre non d'une banque c'est pas agréable. Mais ça nous a aidé à réfléchir et à bien voir ce qui était important aussi au niveau financier dans notre installation. Le Crédit Agricole nous a accompagnés en manière pro, privée et assurance. Donc de manière générale, on est très satisfait de cet accompagnement. On n'est pas forcément obligé d'avoir les assurances, etc., tout au Crédit Agricole, mais d'avoir tout réuni. Ça permet de ne pas multiplier les intermédiaires. Tout le monde a l'information. Quand il y a quelque chose qui change, même au niveau pro ou au niveau privé, c'est assez lié quand on est chef d'entreprise. Si j'avais un conseil à donner aussi à quelqu'un qui s'installe, c'est d'être bien entouré. Avoir des gens qui comprennent bien votre projet. Commencer par la Chambre de l'agriculture, qui suit quand même beaucoup les jeunes installés et qui est de bons conseils. Même au niveau financier, le partenaire bancaire, c'est essentiel, je pense, pour savoir où on va aussi et pour avoir du soutien si on en a besoin.